Nous allons maintenant nous demander, après s'être demandé d'où vient la valeur, maintenant on va se poser la question de quoi est fait le Bitcoin. D'abord en écoutant Jean-Paul Delahaye, mathématicien, professeur d'informatique à Lille 1, qui va nous parler du contenu en calcul. Et ensuite en écoutant Marc Bonpère, archiviste paléographe, directeur de recherche au CNRS, chaire de numismatique à l'École pratique des hautes études et directeur de la revue Numismatique, qui lui va nous dire ce qu'un numismate peut penser du Bitcoin, et là j'en tremble d'avance. Bonjour, donc je suis très heureux d'être ici, et ce que je vais dire va pas être en parfaite conformité avec ce qui a été dit avant, on entend bien, d'accord. Mais c'est bien qu'on soit pas d'accord. Et en particulier, je pense que je ne vais pas être tout à fait d'accord avec Ricardo. Je pense qu'il y a un côté matériel qui n'est pas subjectif dans le Bitcoin et qui est ce qui va être ma réponse à de quoi est fait le Bitcoin. Moi, ma réponse, c'est le Bitcoin est fait de calcul. Alors, j'ai l'habitude de faire des transparents, j'en ai pas fait, parce que j'en fais beaucoup trop, toujours. Je vais lire un texte. Que j'ai préparé, qui j'espère ne va pas dépasser les 15 minutes. Alors le Bitcoin, je dis moi, c'est comme de l'or, et je vais réfléchir à ce parallèle. Mais la substance qu'il concerne n'est pas un métal de notre monde physique, mais une entité abstraite, et celle que je vais défendre, celle que je vais dire qui est au cœur du Bitcoin, c'est le calcul. Je pense par ailleurs que le calcul est aussi une entité physique, mais c'est un autre problème. Une pièce d'or a une valeur commune qui est acceptée pour plusieurs raisons, dont en particulier celles qui font que les monnaies fiduciaires sont acceptées. Mais certainement, une pièce d'or a une valeur commune acceptée car elle contient de l'or. Et qu'il y a une quantité d'or bornée sur Terre, et qu'il y aura une quantité, même quand on en aura extrait d'autres, une quantité d'or bornée définitivement sur Terre. Peut-être que quand on explorera d'autres planètes, on trouvera encore d'autres quantités d'or, mais ça c'est une question qui ne concerne pas directement. Concernant le Bitcoin, la situation est assez semblable, et ça va étonner, je pense, un certain nombre de gens ici, ce que je vais dire. On ne peut mener en un temps donné qu'un nombre limité de calculs sur Terre. Et il en sera toujours ainsi, même si ce nombre de calculs qu'on peut faire par seconde va s'accroître, que le calcul devienne quantique ou pas, ça n'a rien à voir. Alors je vais justifier ces affirmations et je vais tenter de les rendre un peu plus précises en repérant aussi, parce qu'il y a des choses qui évidemment ne sont pas à mettre en parallèle complètement entre l'or et le bitcoin, ce qui diffère entre une pièce d'or et un bitcoin. Alors je vais commencer par faire une hypothèse, simplement pour pouvoir parler simplement. Je vais commencer par admettre que les primitifs cryptographiques qui sont utilisés pour faire fonctionner le réseau bitcoin et la blockchain le sont des primitives infiniment solides. Après, on verra ce qui se passe quand on prend en compte le fait qu'elles ne sont pas infiniment solides. Donc j'imagine qu'il n'y a aucun moyen jamais de les casser, que le système, ni le système de signature, ni le système de fonction de hachage, etc. Alors il résulte de cette hypothèse que chaque page qui s'inscrit dans la blockchain ne peut l'être qu'en opérant une quantité de calcul impressionnante. Et ces jours-ci, c'était 4, 10 puissance 18 calculs de SHA 256, multiplié par 600. Alors pourquoi ? 4, 10 puissance 18, c'est 4 milliards de calculs de SHA 256, c'est beaucoup, et multiplié par 600 parce qu'il y a 600 secondes dans 10 minutes. C'est une valeur approximative, évidemment, relativement précise quand même, à l'heure d'aujourd'hui. J'évoque la puissance du réseau, qui entraîne une dépense, d'ailleurs, d'électricité, ça a été évoqué tout de suite, d'énergie, qui est l'objet de critique. Cette puissance du réseau est vraiment colossale aujourd'hui. La règle est assez simple, plus vous disposez d'une part importante de cette puissance, plus vous gagnerez de bitcoin. 12,5 toutes les 10 minutes, plus les commissions. Statistiquement, vos gains sont proportionnels à votre puissance de calcul de SHA 256. Ce n'est pas n'importe quel calcul. Vous menez des calculs qui se mettent dans la blockchain. Je vais insister sur cette idée-là. Et c'est ce qui en assure la solidité de la blockchain. En échange, vous recevez des bitcoins. Dans la blockchain, alors je fais une petite remarque ici. Certains préféraient qu'on dise le blockchain. Mais ça, j'y arrive pas du tout. Donc je continuerai à dire la blockchain.
Je crois que ça serait plus correct du point de vue du français. Pour casser le protocole, si on ne sait pas casser les primitives, ce que j'ai admis, en fait, il faut s'emparer de la blockchain, et pour ça, il faut... s'emparer de la blockchain, ça veut dire en faire un peu ce qu'on veut, ou au moins rajouter des nouvelles pages comme on le souhaite. Il faut avoir une puissance de calcul qui soit équivalente à la moitié de la puissance de la blockchain. On parle d'attaque 51%, et tout le monde sait que Satoshi Nakamoto, dès 2008, avait compris qu'elles étaient envisageables. La distribution des bitcoins entre comptes qui en détiennent, moi je dis, elle est aussi solide que la localisation des grammes et des kilos d'or en différents lieux, localisation qui détermine les détenteurs d'or. C'est parce que l'or ne peut pas être fait à partir de plomb ou d'autre chose, et parce qu'il est localisé en certains lieux, que les détenteurs d'or sont fixés. La blockchain joue le même rôle. Tant que la blockchain tient, c'est-à-dire tant qu'on ne peut pas fabriquer une fausse blockchain et la substituer à la vraie, la distribution des bitcoins entre comptes tient. Comme la distribution des grammes et des kilos d'or tient, parce qu'on ne peut pas déplacer instantanément des kilos d'or ou créer de nouvelles quantités d'or instantanément. Donc l'analogie que je défends entre l'or et le bitcoin, elle est dans cette matérialité quasi-physique de la blockchain due au contenu en calcul qu'elle a. Pour fabriquer une fausse blockchain, sous nos hypothèses, la seule méthode est de calculer au moins autant que ce que les mineurs calculent collectivement pour fabriquer la vraie blockchain. Solidifié dans la blockchain, il y a un calcul, et c'est lui qui, pour l'essentiel, rend les comptes, la distribution des bitcoins entre comptes, robuste, et donc produit cette confiance que les utilisateurs ont dans cette distribution des bitcoins entre comptes. Si on suppose qu'ils ont aussi confiance dans les primitives cryptographiques que j'évoquais tout de suite. Si on interroge cette notion de contenu en calcul, et qu'on souhaite la fonder mathématiquement, est-ce qu'on sait le faire? Et alors, je réponds oui. Aujourd'hui, la théorie de la complexité de Kolmogorov donne un moyen de fonder cette notion de contenu en calcul qui, en quelque sorte, garantit la solidité du cahier de compte, donc de la distribution des bitcoins entre comptes. Alors, la théorie de la complexité de Kolmogorov, tout le monde en a entendu parler. Il y a deux notions. En général, on n'a entendu parler que de la première. Il y a la notion de complexité de Kolmogorov d'un objet numérique. Un objet numérique, donc une photo, un morceau de musique numérique, un film, etc. Sa complexité de Kolmogorov, c'est la taille du plus petit programme qui l'engendre. La taille, c'est-à-dire le nombre de bits si on écrit des programmes avec des suites de 0 et de 1. On s'est fixé un langage, évidemment, la première remarque c'est de dire, oui mais si on change de langage, la taille du plus petit programme qui engendre l'objet numérique change. La première chose qu'on fait en théorie de complexité de Kolmogorov, c'est de démontrer que quand on change de langage, la taille du plus petit programme ne change pas beaucoup. Alors cette notion de complexité de Kolmogorov d'un objet fini, elle mesure son contenu en information, on dit aussi son contenu incompressible en information. Ce n'est pas la notion dont nous avons besoin ici. Mais on s'en approche. Charles Bennett, c'est quelqu'un qui est un physicien, mais qui a remarquablement bien compris tous les problèmes liés à la théorie du calcul, et qui est l'inventeur de la cryptographie quantique, enfin le co-inventeur de la cryptographie quantique, s'est inquiété de cette inadéquation de la complexité de Kolmogorov pour mesurer un contenu en calcul. Quand les biologistes parlent de la complexité d'un être vivant, ils ne parlent pas du contenu en information. Dans une suite aléatoire, il y a beaucoup de contenu en information, mais il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'organisation complexe. Quand les biologistes parlent de la complexité d'un être vivant, ils parlent d'autre chose. Alors, ils ne parlent pas de la complexité de Kolmogorov. Et cette notion que Bennett, pour laquelle Bennett a proposé une définition mathématique, c'est la profondeur logique, qu'aujourd'hui on appelle la profondeur logique de Bennett. Alors, en première approximation, je ne vais pas présenter cette théorie, c'est le temps de calcul du programme minimal, celui qui détermine la complexité de Kolmogorov. C'est pour ça que les deux notions sont liées. Ce temps de calcul est faible pour les objets simples, par exemple 1000 zéros ou 1 milliard de zéros, c'est très simple, le temps de calcul est assez faible par rapport à la longueur de la suite. Pour un objet aléatoire aussi, contrairement à la complexité de Kolmogorov, qui pour un objet aléatoire est très grande.
toutes sortes d'arguments, et alors pour ne pas prendre trop de temps, je vais peut-être en sauter un. Toutes sortes d'arguments ont été présentés par Bennett et sont utilisés pour défendre cette idée que la profondeur logique de Bennett, c'est une notion qui est valide à la fois comme contenu en structure, richesse en structure d'un objet numérique, et comme contenu en calcul, les deux choses étant peut-être assimilables l'une à l'autre. Alors, un des arguments qu'évoque Bennett, que je vais citer parce qu'il est quand même assez frappant, c'est celui de la loi de croissance lente. Donc il démontre, à propos de sa notion, que j'ai présentée de manière un tout petit peu simplifiée, il démontre que dans un dispositif qui évolue de manière déterministe, alors on peut imaginer que c'est une sorte de micro-univers, la profondeur logique ne peut s'accroître que lentement. Et il en va de même d'ailleurs dans un dispositif qui serait probabiliste, sauf cas tout à fait exceptionnel mais infinitivement, avec une probabilité infinitésimale, le dispositif ne peut pas voir sa profondeur logique de Bennett donc croître rapidement. C'est une sorte de traduction en théorie de l'information, en théorie du calcul, de pas de génération spontanée. La fameuse règle pour laquelle Pasteur s'est battu. Loi de croissance lente, ça veut dire quelque chose qui est tout à fait intuitive, le contenu en calcul d'un objet, sa richesse en structure, et tout le monde ressent bien la vérité d'une telle loi, ne peut s'accroître que lentement. Tout d'un coup, il ne peut pas apparaître une génération spontanée, les rats qui naîtraient d'un paquet de chiffons ou de choses comme ça. La complexité, le contenu en calcul d'un objet fini ne peut croître que lentement. Ce n'est pas surprenant pour une notion de contenu en calcul. Ce qui est remarquable, c'est que Bennett ait pu prouver cette loi pour sa profondeur logique. Ce qui confirme, ou du moins donne à penser qu'il n'est peut-être pas complètement dans l'erreur. Alors, revenons à la blockchain. Ce que contient la blockchain, donc cette sorte de métal dont elle est faite, je dis, c'est de la profondeur logique. Le Bitcoin tient parce que la profondeur logique de la blockchain est grande et s'accroît au fur et à mesure qu'on calcule des SHA 256. Peut-être que finalement, ces calculs ne sont pas si absurdes que ça et que brûler de l'électricité pour accroître le contenu en calcul de la blockchain, ce n'est pas si absurde que ça. Donc, moyennant les hypothèses de robustesse des primitifs cryptographiques que j'ai mentionnés, que j'ai admis jusqu'à présent, la solidité du protocole se pèse en pesant son contenu en calcul, que j'ai rappelé tout à l'heure en nombre de calculs de SHA 256, qu'on mesure aussi en profondeur logique de Bennett, si on veut un concept mathématique qui soit adéquat. Notons d'ailleurs une chose assez remarquable qui m'a frappé quand j'ai compris ça, c'est que le critère de choix quand plusieurs blockchains sont présents sur le réseau, quand on parle de fork, c'est justement le contenu en calcul, le contenu en SHA 256. Et ça illustre une idée très simple, c'est que Nakamoto, ou plutôt ceux qui ont implémenté, parce qu'il y a eu une petite hésitation dans les premières versions du Bitcoin, des protocoles, Nakamoto, en fait, en concevant son réseau et en décidant cette loi de choix quand il y a plusieurs blockchains qui sont simultanément présentes, avait une compréhension théorique très claire que c'est le contenu en calcul qui doit déterminer la valeur de la blockchain et le choix d'une blockchain pour empêcher qu'une fausse blockchain se substitue à la vraie. Oui, le Bitcoin repose sur quelque chose de matériel, de quasi-matériel, du contenu en calcul. Alors, du point de vue de l'histoire de l'humanité, c'est la première fois, je crois, qu'un objet et qu'un système qui vaut aujourd'hui, alors je ne sais plus, c'est 36 milliards de dollars, hein, sauf si ça a changé depuis tout à l'heure, s'appuie sur l'impossibilité qu'il y a à mener à moindre coût un ensemble volumineux de calculs. Question. Alors, c'est une question que tout le monde se pose aujourd'hui. Peut-il exister d'autres monnaies cryptographiques dont la robustesse ne s'appuie pas sur un contenu en calcul ? Bon, c'est la question des algorithmes de consensus. Est-ce qu'il y a d'autres algorithmes de consensus qui peuvent tenir aussi bien ? Alors, je ne fournirai pas une réponse définitive à ça. Je m'interroge sur cette question-là et je me demande si quand on veut remplacer l'algorithme de consensus basé sur les preuves de travail du Bitcoin, on n'introduit pas soit une faiblesse, soit des hypothèses sur la confiance qu'on va accorder à certains acteurs ou la confiance mutuelle que certains acteurs vont avoir les uns vis-à-vis des autres, comme c'est le cas pour le fonctionnement de Ripple, si j'ai bien compris.
C'est une question plus que délicate, puisque justement, on peut remarquer aussi qu'aujourd'hui, les deux principales monnaies cryptographiques, celles qui cumulent à elles seules plus de 75% de la capitalisation de toutes les monnaies cryptographiques, fonctionnent sur un système de preuve de travail et donc sur un système que moi j'appelle un système de contenu en calcul. C'est peut-être pas par hasard. Maintenant, on peut rechercher d'autres algorithmes de consensus et prouver ou tester, voir s'ils tiennent le coup. Alors, affinons encore, je vais un petit peu la comparaison entre l'or et le bitcoin. Évidemment, les deux choses, le parallèle que j'ai fait a ses limites. La première limite, c'est la fragilité des primitifs cryptographiques, que pour l'instant j'ai supposé total. Ça correspondrait à quoi vis-à-vis de l'or, si on poursuit la comparaison? Vis-à-vis de l'or, ça correspondrait à la possibilité de fabriquer de l'or à partir du plomb. Si quelqu'un réussit à moindre coût à fabriquer de l'or à partir du plomb, le cours de l'or va sans doute baisser rapidement. Si quelqu'un arrive à casser une primitive cryptographique, ça risque même d'être encore plus grave que pour l'or, puisque cette fois-ci la création, la tenue du réseau n'existera plus. Et bon, ça serait un petit peu comme si tout d'un coup des milliards de tonnes d'or étaient créées instantanément sur Terre. La matérialité de l'or, qui détermine qui en possède, a son équivalent dans la matérialité du calcul dans la blockchain. D'autres petites différences qu'on peut noter, je vais encore parler 3 minutes. les bugs. Ah oui, s'il y a un bug dans l'implémentation des programmes qui font fonctionner le réseau des clients, ça va être un problème. Autre problème, les pannes graves qu'il pourrait y avoir dans le réseau. Et puis, autre problème aussi, qui je crois est assez propre au Bitcoin, c'est l'incapacité sociale qu'ont eu à ce moment, jusqu'à présent, les acteurs principaux à s'entendre pour décider d'augmenter la taille des pages. Est-ce que c'est quelque chose qui nuit au Bitcoin? Alors certains vont le contester peut-être. Moi, je pense que ça nuit beaucoup au Bitcoin. Et d'ailleurs, il y a une sorte de critère numérique très simple qui le montre. Il y a 6 mois, la capitalisation des Bitcoins représentait à peu près 90% de la capitalisation de toutes les monnaies cryptographiques. Aujourd'hui, c'est 50%. Le Bitcoin recule. Ou alors les autres monnaies cryptographiques progressent, mais il y a un problème et qui, à mon avis, est lié d'ailleurs à cette limite de la taille des pages qu'on n'arrive pas à franchir. Alors, autre différence entre le Bitcoin et l'or, c'est la dernière que je vais mentionner, c'est, elle a déjà été mentionnée plusieurs fois, c'est que le Bitcoin circule beaucoup plus facilement. On peut envoyer en quelques minutes l'équivalent d'un million de dollars ou d'euros de France en Australie ou tout ce qu'on veut. Alors, peut-être que cette facilité avec laquelle on peut faire circuler les bitcoins se retournera contre lui. Je crois que c'est justement le problème des ransomware. Si les ransomware se font payer en bitcoin, c'est bien à cause de cette fluidité, en plus de l'anonymat bien évidemment, qui permet de passer en quelques minutes des sommes importantes entre Tokyo et Melbourne, etc. Ne faut-il pas craindre, et là j'ouvre une parenthèse, ou souhaiter qu'un jour cela énerve un peu les autorités politiques, policières ou judiciaires, qui alors engageraient une lutte à mort contre le bitcoin et les monnaies cryptographiques du même type? Je crois personnellement que oui. Je crois que c'est à craindre. Ce qui s'est passé il y a 15 jours à propos du ransomware WannaCrypt, je crois que c'est ça, le démontre d'une certaine façon. J'arrive à ma conclusion. Oui, il y a un sens sérieux à dire que le Bitcoin est de l'or numérique. Il y a une sorte de métal dans la blockchain qui fige la distribution des bitcoins entre comptes, comme la distribution des grammes d'or est fixée par la localisation spatiale qu'elles ont. Mais le bitcoin est aussi autre chose que de l'or. Il est computationnel et informationnel. Il correspond à un nouvel état du monde dans lequel les réseaux sont aussi importants que l'oxygène de l'air ou les minerais cachés sous terre. Sans les réseaux, le bitcoin n'existe pas, bien sûr. Mais sans ces réseaux, notre monde peut-être non plus n'existe pas. Donc de ce côté-là, il n'y a peut-être pas trop de crainte à avoir dans l'immédiat. Pour le numismate, puisque l'orateur suivant va parler de numismate, j'avoue que je m'interroge. Est-ce qu'on peut
collectionner les bitcoins et essayer d'avoir un exemplaire de chacune des monnaies? Ou est-ce que plutôt pour le numismate, l'équivalent de sa collection, ça serait pas plutôt de collectionner des blockchains? Je pose la question. Merci Jean-Paul Delahaye. Marc, tous les regards sont vers toi parce que là, il a été question beaucoup d'or et on arrive aux choses sérieuses. Donc, de quoi est fait le Bitcoin? Et je rajouterai la question en second point inversé. De quoi est faite la monnaie métallique? De quoi est fait le Bitcoin? Vous l'avez dit, de calcul. Et j'ai donc aussi noté la question que vous posiez à mon endroit. Pour un numismate, est-ce un objet de collection? Alors, je donnerai un élément de réponse en me référant aux grandes collections d'institutions de conservation. Le British Museum possède un bitcoin qui a été exposé d'abord sous forme de la clé publique, avec sur le cartel d'explication des informations sur la chaîne et les transactions dans lesquelles il a été engagé. Puis aussi, le British Museum expose des jetons, enfin, dans le catalogue token, comportant une indication de valeur, le B, un B, et sur l'autre face, un hologramme des éléments de code de la clé. Je reviendrai en conclusion sur ce type d'objet. À la Bibliothèque nationale de France, le cabinet des médailles a engagé depuis déjà un certain temps un processus pour acquérir un bitcoin, mais ça semble complexe administrativement, mais aussi parce que l'idée est d'archiver la blockchain tout entière au moment de la transaction. Donc ce serait une collection qui correspond à ce que vous évoquiez. Et les numismates s'intéressent au bitcoin. Il y a une communication qui vient d'être publié dans le bulletin de la Société française de numismatique, mais une communication qui avait été prononcée à la séance du 1er avril 2017, qui portait sur une comparaison entre les monnayages orientaux de tradition chinoise, et notamment cette tradition de fonte privée dans des officines tolérées, mais toujours à la merci d'une politique impériale plus volontariste. Et c'est de ce point de vue que j'ai donc retenu que le bitcoin était fait de calculs, de temps de travail de machines, et de façon dont on peut à peu près évaluer, mais donc aussi d'électricité et de fermes de minage. Et là, ne serait-ce pas un point de fragilité supplémentaire par rapport à ceux que vous avez relevés, parce que cela implique un ancrage physique dans des espaces régaliens de souveraineté qui peuvent réagir. Alors, j'ai surtout entendu que le Bitcoin marquerait une sorte de grand retour de la matérialité perdue depuis le temps de la monnaie métallique et peut-être un peu de la monnaie convertible, et par-dessus le temps des monnaies dématérialisées, des monnaies de banque, des monnaies scripturales, que je laisse aux économistes et aux historiens de la monnaie. Et du coup, le numismate se sent un peu plus à l'aise. Vous avez développé donc la comparaison entre le bitcoin et l'or, et ça a été évoqué dès la première diapositive qui nous a été présentée cet après-midi, donc la matérialité du métal précieux. Et le vocabulaire même du bitcoin y invite, avec cette notion de mine qui, pour moi, évoque toute la chaîne, non pas la blockchain, mais la chaîne opératoire qui conduit techniquement du minerai au métal, puis à la monnaie. Donc, cette comparaison est au cœur déjà de la présentation du bitcoin, et vous avez évoqué la quantité d'or dans la croûte terrestre qui est évaluée par les géologues comme une quantité finie, de même pour la quantité de bitcoins, et donc pas, ni pour l'un ni pour l'autre, pas de risque de planche à billets. Et la matérialité est aussi un moyen de limiter
la fraude, avec donc l'or brillant, sonnant et pesant et trébuchant. Mais y compris même dans le développement de l'histoire monétaire, avec l'évolution de la forme même de la pièce, qui est devenue ronde, bordée d'un cercle de grainetis, puis d'une tranche elle-même cannelée ou inscrite, de façon à éviter le rognage sur l'unité monétaire. Et vous avez montré comment le Bitcoin porte de même en lui sa validité, et que la solidité des blockchains apparaît toute métallique. On pourrait continuer ce jeu de comparaison plus loin, toujours plus loin, peut-être trop loin. Et je reste sur cette comparaison avec l'or pour vous demander dans quelle mesure il s'agit d'une comparaison terme à terme pour chaque point du fonctionnement d'une monnaie or, ou si c'est plutôt une analogie servant à illustrer, voire à fonder la valeur du Bitcoin. Alors, je souligne que certains des points que vous avez évoqués, dont je ne sais plus si vous aviez parlé de la difficulté d'utiliser le Bitcoin pour des petites transactions avec l'or, ça c'était déjà la même chose. Et puis le risque de fabrication d'un or de synthèse a été un fantasme, enfin des époques de la monnaie métallique, de transmutation des métaux d'or alchimique. On y croyait, on y investissait plus ou moins secrètement, mais apparemment le risque ne s'est jamais concrétisé, donc je ne sais pas si le risque est plus grand dans le domaine cryptographique. Or, en alchimie, l'or est symbolisé par un soleil, celui du roi soleil, dont la devise « Nec pluribus impar » préside cette journée. Alors, je laisserai une comparaison et un exemple de Louis XIV pour venir tout de suite au second point. À moi de répondre à la question de quoi est faite la monnaie d'or des Romains ou des rois de France. Qu'est-ce qui la rapproche ou qui la différencie des bitcoins? Alors, je ne vais pas présenter une théorie de la monnaie métallique, et plus que schématiquement, je n'évoquerai ni Aristote et les fonctions de la monnaie, ni Thomas d'Aquin ou Nicolas Oresme, et je n'entrerai pas non plus dans les dimensions de dette, de confiance, de souveraineté qui placent la monnaie au cœur des sociétés. Pour les périodes antiques et médiévales, les historiens fonctionnent et résonnent avec des oppositions qui ont déjà été évoquées, monnaie marchandise, monnaie lingot ou marchandise, nuance-t-on même parfois, et monnaie signe, valeur intrinsèque, fiduciarité. Spécialiste du Moyen-Âge, j'ajouterai aussi la tension entre monnaie réelle, monnaie de compte. Et en ce domaine, l'hypothèse des historiens est qu'il y a toujours eu une monnaie lien, faisant le passage entre monnaie réelle et monnaie de compte. Cela semble une vérité historique, mais aussi une vérité de représentation mentale. Les jeux savants des comptables, des banquiers, des financiers, restaient ancrés sur l'image qu'ils avaient de la pièce de monnaie métallique. Et à ce titre, le numismate, j'espère, a encore quelque chose à dire. Donc, j'ai relevé un certain nombre d'exemples que je vais vous présenter. Avant même qu'on ait lancé cette comparaison entre or et bitcoin, y compris pour les monnaies papier ou numériques, les économistes réfléchissant sur la monnaie recourent à des métaphores renvoyant à la pièce de monnaie. Alors, l'exemple de l'image des deux faces indissociables de la monnaie. Et là, lisant récemment un passage de « La monnaie dévoilée par ses crises » de Bruno Théret, j'ai noté qu'il reprenait
et développé une métaphore due à un autre économiste. D'un côté, là, sur la monnaie, la marque de l'État rappelant que la monnaie fonctionne dans une société en mettant en relation des personnes. De l'autre, l'indication de la valeur dans un système de valeurs indépendant de ces personnes. Et en reprenant cette métaphore qu'il file, il signale qu'il ne faut pas oublier la troisième face de la monnaie, la tranche, c'est-à-dire l'épaisseur qui en manifeste la matérialité pesante. Alors, est-ce qu'il s'agit de simples métaphores, ou est-ce qu'on en a vraiment besoin pour avoir une explication de ce qu'est la monnaie, une explication toujours fondée sur une représentation de la pièce de monnaie? Alors, avec cette interrogation, je reviens vers les sociétés antiques ou médiévales pour rechercher un peu quelles sont ces représentations véhiculées par les monnaies. Le premier élément, c'est bien sûr le vocabulaire. Et on observe le même jeu de métaphores. Bon, dès Aristote et les Grecs rapprochent l'étymologie de nomisma, la monnaie, et de nomos, la loi. La loi, lex, en latin, et c'est ce terme qui désigne dans les textes monétaires médiévaux le titre de fin, le bon aloi de la monnaie, la loi ou la loi. C'est-à-dire l'aspect peut-être le moins manifeste de la monnaie, sa teneur en métal précieux qui était l'objet privilégié des manipulations monétaires opérant sur la matérialité de la monnaie. Second exemple, selon niveau d'utilisation symbolique de la monnaie dans sa matérialité, j'évoquerai chez les théologiens du Moyen-Âge le parallèle qui est fait entre la monnaie et l'hostie comme élément de passage. Ce parallèle, il a son pendant aussi sur le plan matériel. Les hosties de la première partie du Moyen-Âge ont la dimension des deniers, les petites pièces d'argent qui étaient seules à circuler à cette époque. Puis, quand à partir du XIIIe, XIVe siècle sont frappées de grosses pièces d'argent et d'or, ces petites hosties, et c'est bien visible dans l'iconographie, sont remplacées par de grandes hosties estampées d'images. Troisième niveau, les interprétations données au choix des motifs figurant sur les pièces, ce qu'on appelle les types monétaires, aussi bien les interprétations voulues par les autorités que celles qui sont reçues, supposées ou fantasmées par les utilisateurs. Et alors là, je vous lis un petit extrait d'un traité arabe, le livre des beautés du commerce, et j'aurais pu vous projeter l'image de la pièce correspondante, oui. Un jour, un dirham de Ghazna parvient à Tripoli de Syrie, ayant d'un côté un cavalier sur un cheval bien harnaché et de l'autre un taureau. Cela signifiait, d'une part, qui garde ce dirhem et ne le dépense que quand le bon sens et la religion l'exigent, et comme ce cavalier, sous lequel se trouve un cheval complaisant et noble et qui peut se rendre où il veut. Et d'autre part, qui s'en sert sans mesure et ne connaît pas sa valeur, et comme ce taureau, en ce qu'il n'a pas de puissance de jugement et qu'il ne sait pas où il va et où il pourrait aller. Et dans le même ordre d'idée, un dernier exemple, pour terminer ces exemples, dans La peau de chagrin, Balzac précise de même que les monnaies présentent deux propriétés correspondant à deux types d'utilisateurs. Tout d'abord, elles sont plates, ce qui permet de les empiler et de les accumuler, mais elles sont aussi rondes, ce qui leur permet de rouler, de circuler et de se diffuser. Pour conclure, c'est sur cette part de matérialité comme support infini de représentation qui est fourni par la pièce de monnaie métallique qu'il me revient maintenant d'interroger le Bitcoin. Il y a bien des éléments de matérialité retrouvés dans le Bitcoin. En revanche, me semble-t-il, il manque toujours d'incarnation, de matérialité en tant que support de représentation symbolique. Et il suffit de regarder les représentations
matériels du Bitcoin sur des pièces ou des cartes de paiement. Ces objets qui nous parlent plus de nous et de nos représentations de la monnaie que du Bitcoin lui-même. Ils singent nos moyens de paiement, cartes, pièces. Bon, le sigle même du Bitcoin est calqué sur celui du dollar. La pièce présentée au British Museum, bon, ouais, j'allais dire, moi, elle me fait plutôt penser à la pièce de Picsou, puisqu'on parlera de Tintin tout à l'heure, je me permets cette comparaison, ou à un jeton de jeu de Monopoly ou même d'achat sur dans le monde des jeux en ligne. Et donc, à la différence de ce qui se passe avec la monnaie métallique, qui reste la référence mentale, je ne vois pas émerger vraiment de représentation nouvelle permettant d'ancrer le Bitcoin dans une société nouvelle et de constituer cette société, autre qu'une communauté de joueurs. Ou peut-être s'agit-il d'une nouvelle société mathématique, mais là je n'en suis pas. Et de ce point de vue, ben oui, je vois que Jacques Favier se lève, et je peux lui dire que j'apprécie particulièrement les petits billets qu'il publie et qui contribuent à donner toute cette épaisseur historique avec un foisonnement de références à l'approche du Bitcoin. Merci. Merci Marc.